Ah, il y a quelqu'un! Ouvrez-moi! Oh! Wow! Non, mais ça va pas! Oh! Je me suis capturée par un capture! Bonjour à tous! Vous regardez Réseau Car et dans cette vidéo, on va vous parler bien évidemment du Renault Capture. Capture, un mot qui vous évoque peut-être des histoires de donjons et de princesses à délivrer. Libérer, délivrer, on va tout vous dévoiler. Mais pour la marque, il évoque l'aventure, la découverte, les bons moments de vie qu'il faut savoir capter. Alors aventurons-nous ensemble dans l'univers de ce petit SUV compact best-seller en Europe. Côté design extérieur, on reste finalement dans quelque chose de très classique. Ce qui ressort en premier, c'est ses rondeurs. Elle ressemble globalement à une Clio, mais en plus gros. En gros, une Clio qui a bien mangé à la cantine, mais bien équilibrée. Oui, donc qui a mangé plutôt les épinards du mardi midi à la cantine, quoi. Avec ses feux et phares arrière bien travaillés, mais pas trop, des grandes roues, et avec son profil arrière assez droit qui exprime l'habitabilité et le sens pratique. Quand on le regarde, on a l'impression qu'il a envie de nous dire « Je suis pratique, je suis luxueux, je suis confortable, j'ai de la place pour tout le monde ». C'est une invitation. En gros, on a envie de sauter dedans avec tous ses amis. Mais non, c'est une expression, faut pas sauter dedans. Son coffre est pratique grâce à son plancher modulable qui le fait passer de 404 litres à 536 litres. Il a une bonne hauteur de toit et son seuil de chargement est plutôt bas, ce qui permet finalement de ne pas hisser les objets un peu lourds et les glisser dans le coffre. Donc ça évite les mal de dos. L'intérieur est vraiment réussi. On se sent bien. L'habitacle est aéré et lumineux. Les formes et le choix des matériaux lui donnent une ambiance finalement cossue, flatteuse. Il y a un côté moderne avec l'écran central juste ici. On va retrouver aussi le chargement à induction, hop là, pour charger le téléphone qui est quand même très pratique. Bon, je vous vois arriver avec votre poêle à induction, ça ne marche pas. On ne cuisinera pas dans le capture. Puis on va retrouver plein d'espaces de rangement qui sont aussi vraiment cool. Après, moi, c'est vite le bazar, hein, très honnêtement. Mais c'est utile. À l'arrière, on a un peu moins d'espace qu'à l'avant. Mais par contre, regardez la petite particularité. Wouh, quand on retrouve dans le capture, c'est que vous allez pouvoir avancer la banquette un maximum pour laisser plus de place dans le coffre. Vous le reculez, vous l'adaptez en fonction de ce dont vous avez besoin. On retrouve aussi deux ports USB si vous avez des ados qui sont à fond sur leur téléphone. Pour le recharger, c'est bien utile. Côté motorisation, il y en a pour tout le monde. Essence de 90 chevaux en entrée de gamme, diesel de 95 ou 115 chevaux. Même s'ils sont aujourd'hui retirés du catalogue officiel, GPL de 100 chevaux. Et pour l'hybride légère ou rechargeable, on les retrouve en 140 ou 160 chevaux. Sur la route, le comportement du Renault Capture est le prolongement de son design et de sa vie à bord. Confort et agrément. La suspension est top, on a vraiment un ressenti douillé, sécurisant. La tenue de route est bonne, mais c'est vrai que jamais ne se dégage au volant une impression de dynamisme. C'est pas pépère, mais on n'est pas loin du confort un peu pantoufle. C'est l'aventure à la française, quoi, dans les terres hostiles d'une limousine. Mais bon, si vous voulez les sensations d'une Allemande, achetez une Allemande. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce qu'on a moins aimé, la conduite un peu ordinaire du Renault, son système multimédia parfois alambiqué. On a aimé la modernité de l'habitacle, son sens pratique familial, la polyvalence de son moteur hybride. Pour conclure, avec le Capture, vous ne serez pas déçu. Il tient toutes ses promesses de petit SUV qualité Renault. Habitacle moderne, sens pratique familial, confort de route. Alors si vous ne cherchez pas des grosses sensations et un look extraverti, eh bien ne cherchez pas plus loin. Ce modèle est fait pour vous. Moi, faut que je vous laisse, hein, faut que j'aille faire mon brushing. Parce que oui, dans un capture, on fait tout ce qu'on veut.